All right, tough guys. All right, tough. Moi, je viens d'une famille immigrante. Le seul,
On n'utilisait pas ça, donc c'est direct avec le couteau. Ben, putain! C'est quelle de ta nationalité? Moitié marocaine, moitié tunisienne. Oh, wow! Oui, ouais. Moi, t'as dit, elle est bonne au lit? Moi, je disais pas. C'est ça que je disais. C'est pour ça que tu lèves comme ça. C'est pour ça que je t'avais la gueule. Mon mari est encore avec moi, c'est parce que je suis belle. C'est les secrets. C'est le pouvoir de la femme. Exactement. Moi, je suis tout seul. Je ne sais pas ce que ça va être. C'est la vingtaine, là. C'est le secret. Donc, pendant que je découpe mon petit cube, la betterave, je vais ouvrir le container de petits pois chiches. Vas-y, Jenny. Allez, ouvre-moi ça. T'as enlevé quasiment la moitié de la betterave, Jenny. Donc, on peut faire de l'alcool. Je savais pas. Ouais, shit. Jenny, t'as-tu déjà bu de l'alcool à la betterave? Je mange pas de betterave. Toi, t'as-tu déjà pris de l'alcool à la betterave? Non, je savais même pas que ça se faisait. Je suis sûre qu'on préfère de l'alcool avec des carottes. Ben, tu veux savoir quelque chose en prison, là, ils font de l'alcool avec des fruits qui écrasent, ça s'appelle de la boboche. Ils boivent de la boboche. Ça pue l'acidement, mais ça tue en deux temps, trois mouvements. J'en suis sûre. Est-ce qu'on est parti de micro-ondes? Non, c'est le four. C'est même du bruit, ça. Femme. Attention, belle fesse. Non. C'est quoi que tu cherches, là? Un égouttoir. Un quoi? Un égouttoir. Jenny. Lala. Lala. T'es souvent avec Patrice, là. Moi, là, j'ai hâte d'être la marraine. Damn! Jenny, toi, là. Toi. Moi, il n'y a rien à dire, mais toi, là. Vous êtes cute. Oh, merci. Moi, j'ai une question. Moi, what's up with Yann? Moi, j'ai un. What's up with Yann? Qu'est-ce qui se passe avec Yann? Yeah. Yannick. Ah, non, non, je vois. Oh. Bon oeil. Quoi? J'ai tellement aimé que quelqu'un l'a coupé à faire. Bon boy! Elle a fait de... Oh! Oh! Okay. Un petit cube. Bon, ça ressemble à des triangles. On a fait. Comment tu transformes un triangle en cube? Bonne question. Ouais. Hey, j'ai pris ta planche. Le bain pour l'espace de travail. On partage! On partage! Sauf Patrice! Patrice, par contre, je ne partage pas, malheureusement. Je vais avoir un sujet de conversation maintenant. T'es tanné, hein? Pas tant que pas. T'en as-tu un, toi, sujet de conversation? Ouais, absolument. Moi, j'aimerais ça savoir. C'est toi qui aimerais ça savoir. Vas-y, dis-nous. Moi, j'ai dit, là, je me demande, puis l'heure de vérité, comment tu trouves ça? Quoi? L'heure de vérité. Je suis d'opinion populaire pour la première fois de ma vie. C'est quoi, ça veut dire? Ben, c'est quoi, ça veut dire? Hey! Ben, ça veut dire que c'était fait dans le respect et l'amour. Ouais. Mais ça aurait pu être en larmes et de cris, tu comprends? Ça aurait pu. On a tous tellement un gros caractère. Effectivement. Ça aurait pu être exploité. Effectivement. Ouais, j'ai entendu.
avec deux shooters, est-ce que... À partir d'où c'est sans vie. Regarde, regarde mes cubes. Je vais préparer une question. Je pense qu'on va avoir besoin d'un cours de géométrie. Ok, mes cubes. C'est parce que pour vrai, là. Le... À la base, ça va être des bêtes. Ah, oh, je l'ai eu, je l'ai. Oh. C'est quoi, t'as fait enlever un couteau ou il t'est arrivé quelque chose d'autre? À la base, là, un peu un mix des deux. Ah, ouais, maman, comment tu coupes ça une betterave? Ok, je peux-tu utiliser ce couteau-là? Parce oui, mais attention, il faut faire attention. Okay. Bon. Ok. Là, c'est du sérieux, là, on jase, parce que là, tantôt, j'utilisais ça, le voyons donc. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Tu fais une démonstration de qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que je faisais, le stéphane? Je te jure, on va l'aider un petit peu. Comme si tu coupais un filet mignon. Genre. Oh, un ribeye. Un ribeye, tu sais, j'ai mis ce ribeye, hein, fait que genre le ribeye, il faut en prendre soin. Toi, t'es des côtelettes d'agneau. Moi, j'ai une petite côtelette d'agneau, je dirais. T'as encore des larmes en dessous de tes yeux. Allez, ma côtelette d'agneau, montre-moi comment tu coupes des cubes. C'est parce que là, vous êtes avec une côtelette d'agneau puis un ribeye en train de faire à manger. Qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça? Là? Des voyons betteraves carrées. C'est ça que ça se donne. Et voilà, mesdames et messieurs. Que de mieux. On dirait que tu fais des... C'est pour ça que je fais... C'est quoi tu fais? C'est quoi tu fais? Des cubes. Des cubes. C'est quoi tu fais? Voyons donc. Oh, les femmes ont besoin d'un homme dans la cuisine. C'est ça le fait. C'est des cubes qu'il faut faire, pas ouais. Des triangles. Ouais. Attends, check ça, voir si bien. Ah non, moi je pensais que t'avais dit de cuisiner bien, ma belle. Ben ouais, ben laisse. Attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est un cube. Ça, c'est un cube. Ça, c'est un rectangle. C'est un cube, nous, on a demandé. Ouais, c'est ça, regardez. On a demandé un cube, voici ce que ça a donné. Et c'est un rectangle. Attends, ça coupe en deux. Bon, parfait. Question pour vous, développer là-dessus. Ok. Dans le temps des fêtes, qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Ok. Denis, toi, qu'est-ce qui se passe avec ta famille dans le temps des fêtes? Ben, d'habitude, on fait. J'ai 5 sœurs. Plus 5 sœurs? Ben, 4 sœurs, plus 5 filles, plus les chums, ça fait 10. Mais attends, là, j'ai pas de chums, fait qu'on est rendu 9. Plus les 4 enfants, ça fait 13. Comment c'est 4 enfants? Tes sœurs ont des enfants? Oui. Mmh. Plus les parents, ça fait. 15! Mais ça, c'est juste ma famille à la base. Pas d'invité. Pas d'invité. Hein? Fac! Mais cette année, je fais pas mieux avec ma famille parce pourquoi? Que je suis pas. Mon père, là, c'est l'homme le plus heureux au monde. Allez, attends. Lui, il devait être content, là, parce que pour vrai, les hommes aiment avoir des filles parce que c'est le complexe d'Édipe. Comme amoureux de leur fille. Mais vous, il manque quelque chose dans leur vie, dans votre vie, là. Garçon. Mais là, j'ai des petits-fils. Ok. Fait au moins, ça compense. Puis les chums de mes filles, ça fait compense. C'est la même chose. Ça, c'est un équilibre. Ben non, j'ai pas d'enfant, j'ai mis. Non, mais ça veut dire un petit gars. Ben moi, j'étais amoureuse de mon papa quand j'étais jeune. Puis, ouais, toute mon enfance, adolescence, c'était mon chum. Et j'ai perdu l'homme de ma vie à la recherche. De l'homme parfait. Dans mon passé, mon papa. Mais tu peux trouver aussi sûr. Je suis dans. Oh, mais on fait un petit cheers à ton papa. Like it, cheers. L'homme de ta vie. Jour de l'an, les fêtes, congés. On va faire là-dedans. On va faire du ski de tout. On s'en va faire du ski. Jenny, tu fais-tu du ski? Oui! Ok, on va aller skier. Ben oui, mon Dieu! Hey, venez à Barf! Ok, pour vrai, je suis fucking dans. J'allais mes skis puis d'aller à la bon, on peut les louer, là. On peut aller. Est-ce que t'aimes ça patiner? Oui, je fais. Ben, t'as pas fait ça, genre.
plastique? Oui. J'en ai fait pendant 10 ans. Mais moi, j'en ai fait jusqu'à mon cégep. Ben, t'as pas vu mes photos? Oui, j'ai fait ça, je sais. J'ai fait la semaine moi aussi. Ben moi, pendant 15 ans, pardon. Mais... Ok, attends, on a pas fini. On est rendu encore à l'étape 1. Ok, go! Couper le pain en cubes. Ok. Attends, je vais juste nettoyer ça un petit peu. Puis je vais ajouter le basilic. Fait qu'est-ce qui est vraiment cool de cooker? Est-ce que tu as vu à peine les déchets qu'on a fait? Il y en a pas. Il y a aucun déchet. Il y en a aucun. Genre, on a même recyclé les mamelons. Je tiens à dire. On va les composter. Hein? Le compost, c'est cool. On va les mettre ici en décoration. Mais ça va-tu tâcher mon bois? Ah, oh, peut-être. Ça va les mettre ici. On peut les mettre sur la table tournante. Ah, ouais. Écoute, tous les mamelons sont en cette table. Jenny, peut-être qu'on a déjà passé ensemble d'abord. À la barre, hein? Oui, à la barre. Oui. Est-ce que c'est des spectacles? Non, on peut jamais passer ensemble! Wouh! En photo. Ça veut dire. Jenny, toi, t'as quel âge? 23, tu m'as dit, hein? Bien, dans. Oui, j'ai 23 ans. Ok. Donc, c'est la date. Ça veut dire qu'on. C'est sûr qu'on a passé ensemble pour se diviser la balle. Ou à Saint-François, genre. Ouais, puis moi, je suis dans le fort. Mais bon, okay. On est encore rendu à l'étape 1, qui consiste à préchauffer le four à 425 degrés. Fait. Peler et couper la betterave en petits cubes. Fait. Égoutter et rincer les pois chiches. Fait. Il nous manque juste hacher le basilic et couper le cube. Couper le pain en cubes. Go! That's it. Ah ouais, est-ce que hacher, c'est genre comme ça? Ouais, c'est ça, j'ai haché. Moi, je suis super en cube. En cube? Enfin, le pain, je vais les kiffer coupé en cube. Le kiffer de la neige? Ah, il y a des palettes qui enlèvent ça, hein? Ça sent très, hein? Effectivement. C'est une salade qu'on va chauffer au four. Écoute, moi, je suis dame d'essayer, hein? Moi, je suis dame d'essayer. Pour vrai, c'est la première fois que je fais une recette cricket, peux-tu croire? Mais j'ai oui! T'as déjà comme suivi des recettes en ligne, mettons? J'ai déjà suivi des recettes en ligne, mais tu sais, j'ai jamais vraiment suivi une recette cookie. Puis je trouve ça nice que les ingrédients sont déjà là. Ouais, mais c'est tout pré-dosé. Puis écoute, non, moi je parle juste de rien, là, ça t'évite d'aller au supermarché. Les épiceries, acheter too much, tu sais. Exact, exactement. Oh, c'est vraiment parfait. Oui, oui, madame, on est cookie. Surtout quand t'es célibataire, là. Ah! Oh. Oh! Ok! Fait que ça, c'est pas pour ma salade. De quoi tu parles, là? Mon basilic, c'est pour la fille. Ok! Ça, c'est bien. Check ça. Check ma façon. Coupe en deux. Je fais ça. Boum! 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 Chocolat! À ce qui paraît, là, Jenny, là, t'étais la fille la plus chaude de ton secondaire. Mmh. C'est ça, hein, à ce qu'il fallait. Merci, full! Merci à ceux qui m'ont nommé. Écoute. I was born to be famous. On met où ça, le pain? Oh, ok. Excusez-moi. Mélanger les pois chiches avec les betteraves, la courge, les Et où la courge? La courge. On n'a pas de courge. Ah! Cool! J'espère qu'elle est déjà émincée. Ouais! Elle est déjà coupée! Je vis pour ce moment. J'ai eu peur pendant 2 secondes. J'ai eu peur pendant 2 secondes, j'avais peur. On coupe encore les affaires. Donc, j'ajoute un filet d'huile d'olive. Je vais te laisser l'assaisonner, ok? À ta guise. Qu'est-ce que c'est un estitulé, ça? Hé! Toi, il y a des hours. Ça niaise pas. Je suis québécoise, on aime ça, l'huile. Les arabes aussi, on aime ça, l'huile. Finalement, le monde entier aime ça. On aime ça quand il y a de la sauce, maintenant. Ah ouais? C'est très apprécié, la sauce. You bring the sauce into my life. Oh, mommy.
Wow! Ça, c'était le sel. Alors, Habibi, ici, on met la sauce, l'huile d'olive. Tout le monde le sait. L'huile d'olive, c'est bon. C'est arabe. Behebek, Habibi. Behebek. Non, Behebek, c'est pour l'homme. Behebek, c'est pour la femme. Behebek. Behebek. Behebek, ya nour al-aïn. Wow. Behebek, Habibi. Hola, que tal, papi? Hola, papi. Ay, chulo, papi chulo. Ta, va, un peu de l'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive et ben du sel. L'Himalaya au complet. C'est caliente. C'est arabe, tout ce que tu veux. Toi, t'es arabe, ma belle. Moi, je suis arabe ici, mais je suis aussi italienne. C'est arabe. Donc, pourquoi t'avoir? Ok, déposez cette bague de Ok, on va le mettre au fond. Nous ici, on représente les Housewives of Laval. Les Housewives. Parce que tu comprends, Laval, c'est genre, c'est important. C'est Beverly Hills, mais à Laval. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas meilleur que nous autres, mettons. Laval, c'est trop haut niveau ici au Québec. Oh. Fait que puis nous suivre. Le nom de Hill, qu'on va se voir là-dessus. Allons, ah, mettre ça au fond. Est-ce que tu peux ouvrir le four, ma belle? Oui, je l'ouvre. Alors, j'espère que vous nous suivez dans nos folies à la maison. Si vous prenez un shot, prenez un shot. Si vous prenez de l'eau, buvez une bouteille d'eau. Mais nous, on fait un shooter! Et ça m'a dégouliné aussi. Yeah! Ok, il nous reste pas beaucoup d'ingrédients. Tu crois que c'est pas triste. Thank you, hey, tu sais quoi? On va faire la vinaigrette, puis il faut comme un bol pour ça, mais on peut le réutiliser celui-là. Mais oui, c'est parfait, on fait du recyclage. On fait l'étape numéro 3, la vinaigrette. Fouettez la moutarde de Dijon avec le sirop d'érable. Fouettez! Le basilic, 1 tiers, 2 pieds, 1 demi, 3 pieds, tasse d'huile, et 1, 2 pieds, 2, 3 pieds, cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge, salé, poivré au goût. C'est quoi ça veut dire ces affaires-là? Des pieds. 1 tiers, 2 pieds. Des pieds. Tablespoon. Des pieds. Le thé veut dire préparer les filles. Oh! 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 J'ai cherché une tas de mesures. Dans ma tête, je me disais les millilitres. Ça sent déjà. Les centrifuges. J'avais pas besoin de vous casser le pompon avec ça. Les centrifuges. Ça en répète? Ça centrifuge en tout dans notre tête. Ok. Fouetté. Okay. Hey, Patrice, t'aimes ça les fouets? Je sais pas pourquoi je sais ça. Je veux même pas savoir. Ok. Sirop d'érable. Ça, ouvre. Ok, là, notre vinaigre a l'air de rien. Fac. Après ça, c'est du basilic. Tu mets la basilic là-dedans? Toi, du basilic. Okay. Hey, j'aime ça le basilic. T'aimes pas le basilic? Moi, je veux juste souligner le fait que Jenny t'a super bien haché les... Je les ai hachés. Ouais, vous avez écoute, on fait ça à l'œil. Écoute, une vinaigrette, tu savais... T'as la quantité exacte avec Cookit, c'est ça l'avantage. C'est que, genre, il n'y a pas de gaspillage. C'est ça. Moi, à l'épicerie, pour vrai, j'ai arrêté d'acheter. Genre, je gaspille. Tu mets dans ta vinaigrette. Cheers, Patrice! Cheers! Je suis best de kilo, non, pour vrai? Tequila! Vas-y, maman, dis-moi. Pourquoi vous avez pas pris un petit poule? Parce qu'on réutilise avec Cookit. On fait pas de vaisselle. On fait pas de vaisselle, nous autres. C'est quoi qu'on va faire? Il dit, je te vois ici. Regardez-moi, c'est qui? Qui fait le pain?
n'aimais pas la basilic. La basilic. C'est quoi ton famille, Jenny? Chiquan. Madame Chiquan. C'est assez. C'est pas ton moi, famille, je vais manger comme... Oh, let's go, man. On fait ça un test, on est chez. Ok, est-ce que vous savez c'est quoi mon famille? Vous avez capoté. Sarah Donat? Non, Donat. Shérif. Il y a la maison avec un chérif. Oh! Yeah! Moi, exactement. Ma mère m'a toujours dit, shérif, fais-moi peur. À chaque fois que quelqu'un m'a demandé c'est quoi mon autre famille, ma mère a toujours dit, cette fille, fais attention. Parce que c'est le shérif, fais-moi peur. Fait que, me voici, me voilà. Je suis la shérif. Ça part. Ben, en quoi tu t'es déguisée à l'arrivée? En shérif? Pour vrai, il y a une année où je me suis déguisée en policière. Moi, c'était Charlie. Mon nom de famille, c'est Shérif, fais-moi peur. Bonjour, je m'appelle Sarah Damien, Shérif, fais-moi peur. C'est ça qui est écrit sur mon passeport. Shérif, fais-moi peur, Sarah Damien. Deux points. Hein? Laval. Laval représente si genre pour vrai. Wow! Fait que là, shooter! C'est le thumbnail. Hey, attends. Ça mérite la story sur Instagram. You mon sent. You mon chum. Pat, faut que tu nous prennes une vidéo, moi pis Jamie. Qu'on fait le shérif. Ou sinon, maman. Peux-tu vous appeler maman? Avec plaisir. Son nom, c'est Manon. Ça ressemble assez à Manon. C'est vrai. Manon, maman, on va faire genre de même. Genre de milieu. Check, j'ai mis un milieu. C'est ta photo? Ok. Ta photo? Un vidéo ou une photo? Une vidéo. Ben là, c'est pas une. Ok. C'est pas bon. Jenny, on fait ça, puis après ça, ça. Ok. On peut commencer ça? Ouais. Ça, puis là, 3, 2, 1. Yeah! Shérif, fais-moi peur! Wow, ça c'est fait! Allez-y, en 3, 2, 1. 1, 2, 3. Je vais essayer de vous faire un peu. Ok, dans 3, 2, 1. Shérif, fais-moi peur! Ah, vous voulez continuer après ça? T'as-tu arrêté? Ouais. Non, il faut que vous continuez. C'est parfait. Il va faire une bonne chose. En 3, 2, 1, parti. Yeah! Hey, shérif, fais-moi peur. Wow! Shooter! Hey, les 4 fois qu'on va essayer de faire le story, je te jure, je mets ça dans la vidéo. J'ai vu Jenny. Mais tu sais, moi, ma philosophie souvent, là, c'est comme
si tu le chies, tu vas trouver un gars comme moi. Tiens, essaie de retrouver un gars comme moi. C'est bon, excuse-moi. Si tu chies. Essaye de trouver des commandes. Exactement. Vous avez la même chose. Exactement. Alicia. Exactement. Moi, je vais m'emmener. Est-ce que t'es ton ex? Exactement. C'est pas mon ex. Essaye de dire le nom de la fille que tu portais son foulard en ce moment. Ouais. Je t'expose parce que c'est une mort. Ah! Exactement. Sérieusement, si tu trouves mieux que Sarah Daniel, DM-moi parce que je vais jamais croire. That's it, girl. That's it. Sérieusement, je mets ta maison en feu. Moi qui l'aime. Oui! J'ai pas peur avec les avocats! À laquelle ils ont mis sa meilleure feu. On va parler de l'avocat du diable, hein, by the way. Fait que sérieusement, c'est mon surnom. L'avocat du diable. T'es dans la marde. Deux filles de l'avocat, il est dans la marde. Hey, souvent on dit Laval represent, ok? Comme ici, t'as vraiment deux filles de Laval. Yeah. Ouais. Genre, nous, on n'a pas peur de mettre notre pied à terre pis que de parler d'une maison. Mais vous, j'ai rien. Est-ce que tes ex ont eu une curse, comme une malédiction qu'ils n'ont jamais trouvé meilleure que toi? Parce que moi, oui. Moi aussi, effectivement, moi aussi. Ouais, hein, ça a été. Je le tiens. Fait que t'es dans la. Elle a jamais vu que l'inverse. Quoi? Dans le sens que, comme. Trouver un meilleur dude après, t'as jamais vu qui ça. Ah, je t'en montre plein, ma belle! That's it. Moi, j'ai Jenny dans mon bac. Moi, je suis pour vous deux, hein. C'est parce que je dis ça juste parce que je veux tellement que ça mange entre deux. Ok. Étape numéro 4, et c'est l'avant-dernière étape. Parfait. Cuire le pain. Chauffer un filet du. Peux-tu me rire, s'il te plaît? Ok, non, okay. Chauffer un filet d'huile dans un. Dans un bol à feu moyen. Élevé. Ok, 7. Cuire le pain 2 à 4 minutes. Ok, Jenny, 2 à 4 minutes. En remuant jusqu'à. Collaboration. Quoi? Collaboration? Collaboration. Jusqu'à quoi? Comme... Attends, ça. Oui! On dirait que mon père, il dit ça, il nous a dit. Mon père a aimé ça collaborer avec toi, ça, je te le dis. Est-ce qu'on ajoute du sel et du poivre? Parce que du pain, c'est plat. Ok, ajoute les graines de citrouille. Ça, c'est. Ça, c'est Monsieur Shérif. Monsieur Shérif, vous dites. Oh, c'est prêt! Oui, Monsieur Shérif? Ok, Monsieur Shérif, ok, qui est un businessman, qui m'a toujours appris à être une businesswoman, ça je le crois. Pourquoi t'as bien appris en tout cas, ouais. Ici, il vous le dit. Vous coiffez le matin en prenant votre douche, vous devez absolument mettre du séchoir cheveux avec une brosse et coiffer votre bout du matin. C'est parce qu'il y a des bétaines pour ça. C'est pire. Tiens, mais genre, Jenny, elle a dit dans la chaleur de la température. C'est moyen. Ouais. Non. Moyen. C'est beau. Oui. C'est beau. Ah, ben c'est bon, ça. Ça, c'est bien apprêté. Ils ont dit apprêté. C'est bien apprêté. Un homme, c'est correct s'il fait son séchoir à tous les matins, un petit brochet. Ça passe. Ça passe, ok? Parce que mon père, c'était essentiel dans sa vie de se faire un petit brochet, une petite brosse ronde. Mais il était bien beau, ton père. Pour vrai, mon père était fucking beau. Genre, je suis. Il est poupoune. Pour vrai, je tiens à dire que tout le monde disait que mon père ascendait à Barack Obama, puis je l'adorais. Parce que. Ok, Miss Michelle. Ok, Michelle. Entre-temps, je me suis brûlée avec ça. Ben, ça paraît pas, mais ça fait mal. Ça passe. Ça passe. Éteindre le feu fait partie des. Éteindre le feu. Jenny, éteindre le feu.
C'est j'ai jamais goûté. You, mon verre. Hey, c'est une hein? Oh! Il est pas éloigné. Stop! Clean! Non, stop. Je tiens à dire, ok? Pour vrai, cette fille est un phénomène. Je suis une pandémie. Oui! Plus que pandémie. Pour vrai, cette fille a 23 ans. Oui. Puis, j'en ai entendu assez parler que jamais j'aurais été autant à ce niveau que celle de ma vie. C'est quoi ce niveau? C'est quoi ce niveau-là? Ce niveau veut dire que oui, elle a des connaissances intellectuelles, genre physiques, mentales. C'est quoi la connaissance physique? C'est. Hey, pour moi, il y a des filles qui ont moins de connaissances que cette fille-là. Je m'en fous du fromage de chèvre, ok? T'en as dans les cheveux, je peux te laver au moins. Mais je comprends pas pourquoi lui s'en sort à ça, mais c'est pas ça. J'ai toujours dit, demande à Sacha, demande à Valdalpi, j'ai toujours dit Jenny. Tu vas pas t'entendre ou tu vas t'entendre? Mais quand je suis rentrée, Jenny n'était pas là. Tant mieux! J'étais assez déçue. Quoi? Oui. Non, il n'y a pas de menti. Je vais demander à Marie-Lou, je l'ai toujours dit. La seule personne avec qui, maison 2, je me serais rendue, ce serait Jenny. Mais écoutez. Ah non, mais ici? Pour vrai, regardez-moi ça. Attends! Ah, c'est tough. C'est vraiment tough. C'est top! Pourquoi elle crie? Hey, ça va, Donia? Pourquoi? Je t'invite à venir ici pour manger. On va essayer finalement notre recette, ça a pris genre 45 minutes à faire. Pour une salade. Mmh. Oh, c'est bon ça. Cheers! On a fait ça nous deux en 35 minutes. Mettons 45. Cheers! On va finir ma bouchée. Cheers à la face. Je suis concentrée. Il est plus capable. Est-ce que tu veux goûter? Alors, guys, c'était ça la salade flavella prantella patati patata de Cookit. Alors, c'était les recettes Cookit à rosé. Donc, j'espère que vous avez aimé rosé. Ça. On aime ça le rosé. Rosé, s'il vous plaît. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, guys.